Pour moi, c'est un challenge de venir au Maroc. C'est pas, je viens pas ici pour l'argent. J'ai un salaire nettement moins important que ce que j'avais auparavant. Mais c'est pas, l'argent n'est pas le plus important. Pour moi, je suis un passionné de cyclisme et de voir le Maroc en difficulté ces dernières années au niveau africain comme international, c'était difficile pour moi de l'accepter qui connaît le cyclisme africain. Donc je suis venu pour donner un coup de main à la FRMC, à remettre tout ça d'aplomb. Oh, le futur sera très positif. Il y a des réels potentiels au niveau des garçons comme des filles. Il y a beaucoup de jeunes coureurs dans les jeunes catégories. Et non, ça, j'ai réussi à remobiliser un petit peu les garçons comme les filles, les jeunes comme les plus anciens pour se remettre au travail. On travaille sur le physique, les garçons sont, et les filles sont suivis individuellement par des programmes d'entraînement. Un suivi psychologique aussi avec les entraîneurs qui n'étaient pas mis en place auparavant. Et l'avenir ça demande du temps, mais l'avenir sera. Le cyclisme au Maroc doit évoluer, que ce soit au niveau des organisations des courses, au niveau des commissaires, au niveau des athlètes, des entraîneurs. De tout le système, ça doit évoluer, mais depuis mon arrivée, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit, encore moins au niveau des athlètes qui se sont vraiment remis en question et remis au travail, et ça évolue très très vite. Le cyclisme s'est nettement amélioré depuis 2 mois. On a progressé très très vite et je suis très fier de ce que les athlètes ont fait, les garçons comme les filles, et même les filles, je pense, sont libérées par rapport au passé. On va travailler, travailler, travailler et l'avenir sera grand.